vidéo. Une journée dans mon assiette, ça fait longtemps que j'en ai plus fait une. J'avais un peu de temps, donc je me suis dit, les beaux jours arrivent, l'été revient. Il est temps de vous partager des recettes un peu plus estivales, des recettes healthy et toujours sans gluten. Vous venez de voir mon petit déjeuner. Ce matin, j'ai un peu changé de mon œuf. C'est un petit déjeuner que je fais de temps en temps. Un mélange donc de protéines vegan au chocolat. Elles sont délicieuses. C'est les protéines My Protein en fait. C'est vraiment les seules protéines que j'aime bien. Déjà, elles sont vegan. Elles sont donc sans lactose et elles sont aussi sans gluten. Et le goût des édulcorants n'est pas trop désagréable. À mon goût, en tout cas, pas du tout désagréable. Donc, c'est vraiment des protéines que j'adore et que je mange régulièrement. J'adore aussi mélanger avec un yaourt. Et ça fait comme une mousse au chocolat. Donc, c'est vraiment super bon. Je vous mettrai le lien en description si vous voulez commander ces protéines parce qu'elles sont vraiment top. Donc, ici, ce matin, j'ai mélangé des flocons de sarrasin. Donc, moi, j'utilise souvent les flocons de sarrasin. Vous pouvez utiliser des flocons d'avoine certifiés sans gluten. Mais moi, c'est vraiment le sarrasin. Il y a une texture qui me plaît vraiment beaucoup parce que ça fait vraiment une texture assez crémeuse. Mélanger donc en protéines et la farine de souchet, donc la farine de noix tigrée. J'ai découvert ça il y a un mois je pense, ou un mois et demi, j'adore. Déjà c'est super au niveau nutritif parce que au niveau des fibres etc, pour la digestion, vraiment le top, donc n'hésitez pas à vous en procurer. Vraiment le souchet, je ne connaissais pas mais c'est délicieux. On est commandé sur internet, donc les graines de souchet, trop bon. Et la poudre, donc la farine de souchet, je l'ai trouvée sur Farmaline. Je vous mettrai le lien aussi en description si vous voulez, sinon vous en trouvez aussi dans les magasins, dans certains magasins bio. Donc ici j'ai mélangé tout ça avec de l'eau, vous en mettez quand même assez bien, faut que ce soit quand même un peu liquide mais pas trop non plus, ou alors vous laissez un peu plus longtemps au micro-ondes. Moi je mets pour qu'il y ait une consistance assez crémeuse et puis je laisse au micro-ondes plus ou moins une minute, vraiment pas longtemps, et il faut vérifier de temps en temps la texture. Si vous laissez plus longtemps, il y aura plus l'aspect d'un gâteau. Moi ici je voulais un petit peu un cœur coulant, c'est vraiment ce que j'ai obtenu en laissant juste ce qu'il faut, et j'ai mis du tahini par dessus, une crème donc de sésame pour les bonnes graisses, et le petit déjeuner était délicieux. Donc ça dépend vraiment si j'ai envie de sucré ou de salé le matin, mais bon, je vous cache pas que à 80% du temps je préfère quand même mon œuf et mon pain sans gluten. Aujourd'hui c'était un mug cake protéiné. Ensuite on arrive donc là maintenant au repas de midi, et donc je vous propose de regarder tout de suite comment je l'ai préparé. J'ai fait cuire mon quinoa, donc c'est un quinoa blanc. J'ai coupé mes légumes en petits carrés. Tout ça avec différentes épices. Avec un peu d'ail et des épices. Une fois que c'était bien grillé, j'ai ajouté le quinoa. J'ai farci donc mes aubergines. J'ai d'abord mis un peu de sauce tomate pour humidifier la base. Et ensuite un fromage sans lactose, un fromage italien qui est super bon. Et j'ai mis tout ça donc au four. Et donc voilà pour mon repas de midi. Donc vous venez de voir le résultat final que j'ai ici et que je vais donc déguster. Voilà. C'est vraiment trop beau et vous allez vraiment avoir beaucoup de retours positifs avec cette recette parce que c'est super simple, super original. En général les gens adorent et moi j'adore. Et c'est super sain et très peu calorique, donc juste le top. Moi je vais déguster ça. On se retrouve donc pour le repas du soir. En général en fait pour 4h je mange souvent un fruit, donc une pomme, ou pour le moment il y a des nectarines blanches, j'adore. Ou comme je vous ai dit, des fois un yaourt avec un peu de protéines au cacao. Ça reste quand même assez basique. Aujourd'hui il fait beau,
chaud, j'ai envie de quelque chose de frais, donc ce sera plus une pomme ou une nectarine blanche. Donc ça sert à rien que je vous la montre, mais si je fais quelque chose d'un peu plus original, je vous montrerai. À tout à l'heure. Et on se retrouve donc pour le repas du soir. Pour le 4h, comme je vous ai dit, j'ai juste mangé un fruit, donc ça valait pas la peine que je vous filme ça. Et donc pour ce soir, j'ai préparé quelque chose d'assez léger, parce que quand il fait chaud comme ça, j'ai juste envie d'un truc léger, facile à faire. J'ai préparé des haricots avec du poulet pour la source de protéines. Les haricots donc qui sont déjà assez bien protéinés. Et tout ça donc accompagné de légumes, évidemment. Plein de légumes, j'adore les légumes. Je vous montre vite la préparation, qui est très très rapide, vous allez voir. Et puis je conclue la vidéo. Vous avez vu, j'ai grillé les courgettes. J'adore les courgettes grillées, elles ont juste un goût délicieux. Et ici, donc, on a mon petit bol très très léger, très très sain. Donc, mais il y a tout dedans. Donc, j'adore assaisonner avec du jus de citron, de l'huile d'olive, du persil. C'est vraiment des saveurs méditerranéennes que j'adore. Donc, ici, avec des petites tomates, mon poulet grillé. Donc, vraiment un plat que j'adore. C'est juste ce qu'il faut ce soir parce que c'est vraiment super lourd, j'en peux plus. Donc je vais déguster ça et je vais donc conclure cette vidéo parce que je mangerai plus rien d'ici ce soir. J'espère que vous avez aimé mes 3 recettes. N'hésitez pas à les refaire et à me dire si vous les avez refaites. Des recettes fraîches, des recettes estivales, toujours sans gluten évidemment. J'adore partager tout ça avec vous. Donc si vous avez aimé la vidéo, ben mettez j'aime. Si vous aimez ce format aussi, si vous aimez les vidéos une journée dans mon assiette où je vous montre vraiment ce que je mange matin, midi et soir. Et si vous aimez mes vidéos, que vous ne les avez pas encore vues, n'hésitez pas à aller les revoir et à vous abonner donc à la chaîne pour voir donc toutes les vidéos qui ont déjà été faites. Il y a plein de recettes pour vous, plein de recettes gourmandes aussi. J'espère vraiment que vous avez aimé. Moi je vous retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo et je vous fais des gros bisous. À bientôt.